Hey, salut, c'est Marguerite. Bienvenue pour le best-of de la semaine. La 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 la. Bon, tu vas à l'école, Marguerite? Ah non, j'ai pas envie. Et pourquoi? Eh ben, papa, il m'a mis la honte devant Robert. Ah, Robert, ton petit chéri d'école? Oui, c'est mon mari. Bon, Roger, tu l'emmènes à l'école. Mais pourquoi tu me laisses jamais tranquille? Je vais te frapper, Roger. J'aime bien quand tu me dis ça. Ouais, mais là, je vais vraiment te mettre un coup de balai. Arrivé devant l'école. Ah, je suis pas bien, là. Faut que j'appelle maman. Oh, bah, y a Marguerite qui m'appelle. Allô? Eh, maman, s'il se moque de moi à l'école, je fais quoi? Tu t'en fiches des autres. Attention de pas te chier dessus, encore t'as la chiasse. Roger! Eh, salut, Marguerite! Salut, ça va? Bah oui, et toi? Bah, tu te moques pas de moi? Bah, pourquoi? Bah, à cause d'hier à la pharmacie. Ah, mais je suis pas comme ça, moi. Et d'ailleurs, j'ai un secret. Ah oui, c'est quoi? Ah, bah, moi, j'ai toujours la chiasse. Sérieux? Oui, et ça m'arrive souvent de me chier dessus. Oh. Du coup, je l'ai jamais dit à personne. Eh, les copains! Y'a Robert, il se fait toujours caca dessus chez lui. Eh, mais ça se fait pas, ça. Ça va, mon pote? Ça va, et toi? Ça dit, on va au bar? Pourquoi faire? Pour boire et être bourré. Et Chantal, elle va me tuer? C'est ta mère ou quoi? Bah non. Tu veux que je la tue? Bah non, Igor. C'est ma femme. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, on va se torcher le cul? Personne touche à mon cul. Non, mais genre, c'est une expression pour dire qu'on va boire. Se torcher, quoi. Bon, allez, ferme-la et on y va. D'accord. Arrivé au bar. Bon, je vais chercher au bar, tu bois quoi? Une limonade? Tu veux me foutre la honte ou quoi? Ben non, c'était une blague, donne-moi un whisky coca sans coca. Avec des glaçons. Ça c'est mon homme! Et toi là? Moi? Elle est belle ta montre, c'est quoi? Ah, c'est vrai, je l'ai eu à Noël, c'est vrai, elle est belle, je sais pas. Tu nous la donnes? Non merci. Tu veux qu'on te tape? Non merci, encore, c'est gentil. T'es un petit rigolo toi. On va te frapper! Eh, attention hein! Attention à quoi? Ouais? Je suis avec mon copain Igor, il va tous vous tuer. Moi je le fume ton Igor. Pardon? Vous embêtez mon copain, là? Eh, hey, ils ont pas été gentils avec moi, ils voulaient me taper. Et en plus, c'est une balance. Du coup, Igor, tu vas prendre double sauce. Moi, je vais t'arracher le trou du cul avec les dents. Je vais t'avaler les intestins. Oh! Vous en voulez plus? Eh, hey, mais t'es un grand malade, toi. De toute façon, on a appelé la police. Bonjour à tous, on m'a appelé pour une bagarre éventuelle. Mais c'est lui le fou, là, faut le mettre en prison, celui-là. Ma mère, elle va plus me reconnaître. Oh, monsieur l'agent, c'est eux qui l'ont cherché, quand même. Mais toi, t'as rien fait, t'étais caché sous une chaise. On va baisser l'hanneton déjà, là-haut. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, on va se calmer déjà, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais te mettre la matraque dans le cul. Et Igor, arrête. Monsieur, il m'a mangé une partie de la jambe. Eh, mais pourquoi vous avez fait ça, là-haut? Il a dit que mon polo, il était pas beau. Après, c'est vrai qu'il est pas terrible. Roger, appelle les pompiers, ça va chier. Un petit outrage à agent, c'est ça, hein? Je vais te mettre un PV, là. Et moi, je vais t'en coller une, tu vas voir. Arrêtez-les, monsieur, c'est eux qui ont commencé. Eh, mais c'est pas juste. Eh, papa, ça c'est ma réplique! Mais qu'est-ce que tu fous dans un bar, Marguerite? Eh ben, je bois de la bière! Ah, ok, d'accord. Et en plus, vous emmenez votre enfant mineur dans un bar. Ça va chercher dans les 2 ans, ça, hein? Vous allez me suivre au commissariat, là. J'ai pas peur de la cellule, c'est la cellule qui a peur de moi. Ben, moi, je dirais bien non, hein. De toute façon, je vais lui casser la gueule dans la rue. Pardon? Pardon! Pardon! Débile. Bon, appel à tous les collègues, venez m'aider, s'il vous plaît. J'aime pas la prison, ça pue! Putain, je vais bouffer les barreaux. Attention à pas faire tomber la savonnette! Moi, je la mange. Un peu difficile à récupérer, celui-là, monsieur, hein? Il est un peu costaud, hein? Oh. On était 10, monsieur, on avait du mal. Oh, le gaillard! C'est quand qu'on sort d'ici? Je sais pas. Vous êtes dans la merde, là. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Apéro? Apéro? Ça, c'est bon, ça. Oh, la vodka, elle va couler à flot. Moi, j'aime bien la bière, un peu. La bonne bière, voilà. Ah non, j'ai oublié mon décapsuleur. Vous voulez que je vous les ouvre? Avec quoi tu vas les ouvrir? Ah oui, avec quoi, là? Bah, avec mon cul. Oh! Maintenant avec les dents, je mange le goulot. Ah oui, tu sais faire ça? Bah bien sûr, j'ai commencé la bière à 7 ans. Eh, si tu nous ouvres les bières, on t'en donne une et tu peux sortir. C'est un bon deal, c'est un bon deal. C'est vrai? Sérieux? Ah oh, bien sûr, on n'est pas trop cons là! Votre collègue un petit peu quand même. Je vais faire genre j'ai pas entendu. Bon allez, on sort? On retourne au bar? Ouais, j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un. Oh 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 oh. La 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 la. Salut, fils! Et salut, papa, ça va? Oh, ça va, hein. Elle est pas là, Chantal? Non, elle travaille, pourquoi? J'aime bien la voir, elle est bonne. Ouais, c'est vrai. Je vais aller au bar. Une petite bière. Mais papa, il est 9h. Le temps que j'y arrive, il sera peut-être 9h30. Je peux venir avec toi boire de la bière? Si tu veux. Tu fais attention avec ma fille, hein. Et je t'ai élevé quand même, hein. Ouais, bah t'as vu comment il est maintenant? Arrivé au bar. Pourquoi y a toujours les vieux qui boivent de la bière à partir de 10h? Ils font de la relaxation. Oh! Hey, salut, Denis! Hop! Trop la journée que t'as fait là-haut. Est-ce qu'il a eu une patate dans la bouche ou quoi? Ouais, mais ça pour le tout. Mais non, il te demande comment tu t'appelles. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à celui-là? Et tu vas me chercher un jeu à gratter? Je peux en prendre un, moi aussi. Oui, vas-y. Tout. Ta gueule, toi. Oh, papy, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai gagné 10 000 euros, regarde. C'est vrai, ça? Il a. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard? On est en plein contrôle, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Elle demande à Madame Betrave. Elle voudra jamais que j'y aille, cette conne. Hein? Eh, Madame Betrave. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Non, on est en plein contrôle. T'as vu, je te l'avais dit.
Putain, elle abuse. J'ai pas chié ce matin, là. J'ai mal au ventre. Mais c'est ça qui pue depuis tout à l'heure. Et j'arrête pas de péter, mais je peux pas me retenir. Respire profondément. Oh non. Qui a pété? Je sais pas, je... C'est toi, Jean-Bernard? Non, c'est Gertrude, là. Eh, mais c'est même pas vrai. Madame Betrave. Mais quoi encore? Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? J'ai dit non tout à l'heure. Écoute-moi bien. Pardon? J'ai envie de chier une torpille. Alors écoute-moi bien. Si tu me laisses pas la faire, je te la fais sur le bureau. Mais ça va pas ou quoi? T'avais qu'à me le dire que c'était pour faire caca. Cool, maintenant tout le monde est au courant. Au moins, ça va te faire du bien. Allez, Jean-Bernard, va chier ta torpille. On rentre à la maison, du coup? Ah oui, j'en ai marre. Lilala, lilala. Hé, Roger! Mais qui c'est qui t'appelle? Salut, Roger, comment ça va? Bah, ça va, mais t'es qui? Mais c'est Emile! Tu rappelles à l'école! Emile, 5ème 3. Voilà, c'est moi! T'as toujours la même gueule de con, hein. Ah bah, je cherche pas une équipe qui gagne, hein. Tu présentes pas? Moi, Emile, du coup, je te présente ma femme, chante. Bah putain! Tu te refuses rien, mon cochon! Et moi, je m'appelle Marguerite. Ah oui, comme la fleur! Papa, pourquoi tes copains, c'est tous des cassos? Mais ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vus! On nous appelait comme ça à l'école, le groupe des cassos! Bon, on a bien changé depuis. Ah, t'es toujours un peu con quand même. T'as vu la tête qu'il a, Marguerite? Ouais, il a une tête de gland. Mister Gland, je vais l'appeler. Ah bah, ça serait bien que je vienne manger chez vous, hein! Pourquoi? Ah non, mais t'es pas obligé, hein. Bah si, je ramènerai de la bière! Ramène de la bière quand même, là, du coup. Tu fais chier, Roger. Oh non, t'as une femme ou... Non, j'en ai pas. J'habite encore chez maman. Il habite encore chez sa mère, il a quel âge? 42 ans. Et maman, elle prend bien soin de moi. On va pas se faire chier à ce repas encore, hein. Salut mon pote. Comment tu vas, Igor? Ça va et toi, petite bite? Je suis pas très fan de ce surnom, hein. Je m'en fous. Ah ok. Au fait, t'es pas avec Gisèle? Non, elle fait les courses. Et au fait, t'as déjà eu des copines avant, toi? Non, pas trop. Moi, j'en avais plein. C'est même pas vrai. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh ben, t'es que maman dans ta vie. T'as fait l'amour qu'à une seule femme? Bah après. C'est bien, c'est bien. Ah bon, tu trouves? Moi, j'en ai eu qu'une avant Gisèle. Ah bon? Une petite femme là. Pourquoi tu grognes? C'est une tigresse, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Pourquoi une tigresse? Elle allait au zoo? Faut que t'arrêtes de rester avec nous, hein. Dès que je la voyais, là. C'était bestial. Je lui retirais tous ses vêtements avec les dents. Oula, c'était la seule qui voulait faire du BDSM. C'est quoi du BDSM? C'est les bandes dessinées, c'est ça? Parce que si c'est ça, moi j'aime bien. Marguerite! Mais du jour au lendemain, elle m'a pu parler. Ah, les femmes. Eh, les hommes, vous êtes pas mal non plus, hein. Si tu veux, toi, t'as 8 ans. Elle s'appelait comment? Monique. Bah c'est drôle, comme la sœur à Chantal. Salut les petits loups, j'ai oublié mes clés de voiture! C'est une blague! Monique, ta mère. Igor? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah je viens voir ma sœur. La Chantal! Elle est pas là, désolé. Tu te souviens de moi, hein? Comment je pourrais t'oublier? Tu l'as fait quand t'es parti loin de moi. J'étais jeune, j'ai eu peur. T'as eu peur de mon... Ah non, ça il était tout petit. Eh, papa, on parle de quoi là? Chut, t'écoute. Parle pas de mon bâtonnet comme ça. Sinon il va sévir. Oh, range-le. Pardon. Mais Igor, tu peux fermer ta braguette s'il te plaît? Vite fait, y a une enfant là. Oh! De toute façon, j'ai quelqu'un d'autre actuellement. Ah oui, c'est vrai, Jean-Luc, je l'avais oublié le con là. C'est quoi ce prénom de daube encore? Jean-Luc. Et en plus, il est con comme une pelle. Eh! Bah, c'est vrai que c'est pas une lumière, hein. Tu trouveras pas mieux que moi. Et toi, t'as une femme? Ouais, elle s'appelle Gisèle, c'est la meilleure. Elle te casse en deux. Et je veux pas me battre? On a qu'à faire un repas tous ensemble? Ouais, comme ça, je verrai Jean-Luc. Et moi, je verrai Gisèle! Pourquoi on fait toujours des repas comme ça? T'inquiète, on va bien rigoler. Oh, j'ai hâte.